this way. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, une nouvelle vidéo sur la série Tank pour cartoumiseur. Alors ce soir, on va regarder celui-ci. Voilà, nous allons parler donc de l'AGR V2. Un tank qui a plein de petites choses sympathiques, qui a un système innovant. C'est le seul à avoir ce système là, on va vous parler, qui a plein de petites choses sympathiques. Ce que je vous propose, comme d'habitude, on va le regarder de plus près pour que vous sachiez de quoi je parle par la suite. Le voici démonté. Donc, deux tubes, pour commencer par les deux tubes. Deux tubes, un de 35 mm, un de 45 mm. Donc vous pouvez mettre tous les cartos avec, avec celui-ci. Une partie top cap, donc une partie supérieure qui a une vis de remplissage, petite vis de remplissage, donc pour les bouteilles à aiguille. Un joint qui se retrouve sur le haut, parce que ce tank là, vous voyez, il a un filetage qui va bien sûr avec les réservoirs qui ont aussi des filetages. Et un joint intérieur qui est très souple, vous voyez. Là, il est de couleur blanche et il est très souple. On le voit bouger, j'appuie dessus. C'est très très souple. La partie inférieure est en deux parties. Que je vous explique. Quand vous prenez votre cartoumiseur, vous allez rentrer votre cartoumiseur comme ceci dans la partie du bas. Il va avoir la connectique qui va dépasser et ensuite vous allez prendre cette partie là qui reprend une même connectique, la même connectique à l'arrière, et qui a quatre parties qui sont incurvées, qui sont pour avoir de l'air flot, voyez. Ici, c'est quatre parties. Donc, vous le rentrez dedans. Ça, c'est la première chose. Et vous vissez votre cartoumiseur dessus. Alors, devant la caméra, voilà, j'ai toujours du mal. Mais ça viendra, je vous promets que ça viendra. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez votre réservoir. Donc, au choix, bon, là, c'est un 35 mm. Donc, je vais prendre le tube à cet effet, 35 mm. Je serre. Normalement, le joint s'écrase bien, c'est facile, et je rentre la partie d'en haut, et je serre la partie d'en haut. Voilà à quoi il ressemble. Je vous dis à de suite. Alors, ce petit tank est tout en stainless steel, acier inoxydable, toutes ces parties-là. Il mesure pas exactement la même chose partout. C'est-à-dire que cette partie en bas, excusez-moi, je vais le faire tomber, fait 19,84. Bon. Et là, sur le tube, on est à 19,96. Et sur la partie en haut, on est à 20,84. Bon, vous me faites confiance, parce que c'est pas pratique de vous le montrer comme ça. Donc, il a trois dimensions différentes. Ce tank, trois dimensions différentes, et d'ailleurs ben on voit ces petites encoches à droite et à gauche, enfin à droite, en haut, en bas, vous voyez, là ça fait une petite encoche, hein, l'encoche du pas, et puis après on a des encoches aussi ici. Ça vaut moins de 15 euros,
de moins de 15 euros dans les boutiques françaises. Il a donc un avantage, le Carto Tank Filler. Hein, j'y suis arrivé. Ouais, je suis arrivé du premier coup cette fois-ci. Le Carto Tank Filler. Ouais, je vais peut-être m'en rappeler. Vous n'en avez plus besoin. Dû à ce système-là, puisque vous dévissez et vous avez vu, vous mettez votre tank comme ça, vous n'avez plus besoin de ça pour pousser à l'intérieur votre carton miseur. Par contre, quand vous le démontez, bon, mais il faut bien le vider. Vous risquez de vous en mettre un petit peu plein les doigts. Bon, voilà, il y en aura un petit peu partout. Ce que je n'aime pas dans ce tank. Alors, voyez, là déjà, j'ai dévoncé cette partie et j'arrive pas à dévisser celle-là. Pourquoi ? J'ai trop serré le tube. Tout simplement. Attends, j'avais pas l'impression de l'avoir très serré. D'habitude, j'ai pas de problème forcément pour dévisser, honnêtement. C'est moi qui ai les mains un peu pleines de liquide aussi, et ça doit me faire glisser. C'est la hauteur du trou. Est-ce que je voulais dire ce que j'aimais pas? Alors, est-ce que tu vas faire le point? S'il te plaît, fais le point. Voilà. Voyez la hauteur du trou. Le trou, je le trouve un petit peu haut, un petit peu beaucoup haut par rapport au fond. Ça veut dire que il va vous rester du liquide au fond de votre tank, sur toute cette partie-là, que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Là, je parle sur du carto Bosch classique, pré-percé. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais dans ces cas-là, tu prends un carto puncher, tu prends des carto miseurs non percés, et puis tu te fais une marque et tu te fais un trou. Oui, c'est possible. Donc, pour l'utiliser pleinement, je dirais, bah, il vaut mieux, on peut l'utiliser comme ça, mais il vaut mieux avoir un carto puncher et se puncher soi-même ses carto miseurs afin d'avoir un trou qui va tomber bien. Ou alors autrement, vous allez être obligé de vider un peu de liquide, avoir une seringue pour pouvoir le vider, ou alors autrement, un chiffon. Mais vous allez perdre quand même une quantité, vous allez prendre votre chiffon et vous allez perdre une quantité de liquide qui va rester au fond et que vous n'arriverez pas à faire passer dans votre carto miseur. Je m'énerve là ou quoi? Parce que je sais pas, beaucoup je commence à bafouiller. Oui, ça c'est quelque chose qui m'agace. D'avoir au fond encore du liquide et de pas pouvoir l'utiliser d'être obligé de vider, d'être obligé de m'en mettre plein les doigts. Autre chose qui m'agace sur ce tank, mais alors qui m'agace vraiment, je vais vous montrer. Je ferme le tank. Je prends mon mini Provari, je le visse dessus, et je m'arrête. Je suis vissé. Je vais pas bousiller ma connectique pour vous faire là, pas sur le Provari, et puis même sur aucun mode. Vous voyez l'écart? Je vois pas bien moi. Ouais, vous voyez l'écart entre les deux. Ouais, on voit ma main de l'autre côté. Voilà. Donc, il reste un écart. Vous prenez un Vamo V2. Voilà. Alors, c'est pareil, je ne vais pas serrer comme une mule non plus. Mais, rebelote, vous avez un écart entre les deux. Avec le seul mode où il n'y a pas d'écart, c'est avec le SVD. De chez Inokin, j'en ferai une revue. J'en ferai une revue sur tout ça d'ailleurs. Voilà, avec le SVD, c'est le seul mode où vous n'avez pas d'écart. Où ça tombe pile poil. Euh,
Vous allez me dire, c'est que parce que je suis un fashion vap, comme je vous ai déjà dit. C'est qu'une histoire de look. Pas vraiment. Faut quand même y faire attention. Parce que si vous faites tomber votre mode, alors déjà, c'est pas bon. Là, la connectique est bien sur le Provari. Parfois, bah, sur le Vamo, par exemple, sur le Vamo qui est une connectique qui est un peu fatiguée, en plus de pas rentrer à fond, vous voyez, moi j'ai la connectique qui est un peu fatiguée, vous voyez, ça bouge et puis ça peut me faire comme l'autre, la tour de Pise. Ça me fait rire ce truc, je sais pas pourquoi. Outre ça, si vous faites tomber votre mode, enfin votre cigarette électronique, et qu'il est comme ça, et qui tombe sur votre tank, qu'est-ce qui va prendre en premier? C'est votre connectique. Alors que quand votre tank vient s'appuyer sur le bord de chaque côté, ben, si ça appuie sur tout le tour et que vous faites tomber sur votre tank, ça va reposer sur les bords et tout sera, enfin je veux dire, l'effort sera sur l'ensemble et n'abîmera pas votre connectique. Là, c'est directement votre connectique qui va se tordre et vous pouvez arriver à vraiment l'abîmer. Ça, c'est un truc qui m'agace. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, très bien, mais il suffit de meuler cette partie-là pour la réduire, tout ça. » Je suis d'accord. On va meuler. Enfin, moi, quand j'achète un produit qui est fini. J'achète pas un produit où il faut que je meule, il faut que je ci, il faut que je là. De toute façon, j'ai pas de meule. Alors comme ça, c'est réglé. Je peux pas meuler. C'est pour ça que je l'ai pas fait, d'ailleurs. Donc ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas réfléchi à faire quelque chose qui tombe bien. Voilà. Les trois dimensions, ça m'énerve. Autre chose avec cette partie-là. Ben, vous avez un tank qui est très très grand, qui est excessivement grand. Si je prends un 45 mm, là vous avez un 35 à l'intérieur. Regardez la différence. On a pratiquement un 35 mm, un 45 mm dans un tube 35. Je ne sais pas si je me suis bien laissé comprendre là. Je me suis bien fait comprendre. Bon. Voilà, vous voyez, c'est très long. Il est très long à cause de cette partie-là. Quand là, je mets, bon, j'ai pas besoin de changer mon carton, c'est pas grave. Quand je mets mon tube 45 mm, alors là, c'est l'Enterprise. Vous voyez? Là, c'est l'Enterprise. Si je prends par rapport à mon Provari, il fait 2/3. Bon, avec la connectique, puisque là, je suis en bas, il n'y a même pas la connectique. Il fait 2/3 de la hauteur du Provari. Imaginez, je mets un carton 45 mm, je mets ce tank-là. Regardez la tronche que ça fait. Alors, si je le mets en plus sur le SVD pour que la connectique marche bien, et que je prends mon SVD... en 18 650, regardez l'Enterprise. Alors, j'ai pas de grand drip tip. Qu'est-ce que j'ai de plus long là? J'en ai pas. Moi, je suis pas dans l'excès du de la longueur. Ah, si, j'ai celui-ci qui est un petit peu plus long, peut-être que ça. Juste pour faire la démonstration, oui, qui est un petit peu plus long. Allez, bon, il rentre pas. C'est pas fait pour ça. Outil. Ah non, c'est parce que je suis bête. C'est parce que le carton il monte pas jusqu'à bon. Bref, enfin voilà ce que ça ferait. Je le trouve excessivement long, dû tout simplement mais à ce rajout qui est mis en dessous, et ça fait vraiment quelque chose de très long. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose, la même chose, mais qu'ils auraient pu le couper. Je sais pas si on peut le réduire, parce que bon, le carton rentre à l'intérieur, mais je pense qu'ils auraient pu peut-être le réduire. Je n'en sais rien. Pour moi, c'est trop long. Voilà. Clair et net, c'est trop long. Ça me gêne. Cette longueur me gêne énormément.
Du coup, en étant avec cette pièce en plus en stainless steel, ce qui est très bien, ça c'est très bien parce que c'est solide, ben le poids, ben il est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd qu'un autre tank. Voilà, tout simplement, il est beaucoup plus lourd. Alors quand vous avez ça en longueur en plus en bout, sur un mini Prouvary, moi je trouve que ça fait, enfin, c'est disgracieux, c'est disgracieux quand même. Voilà, c'est pas très beau. Les points positifs, maintenant que je les parc, cassé, tiens, mange ça. Les points positifs. Donc vous n'avez plus besoin de vous servir du carto tank filler. Il est facile à donc à démonter. Le fait d'avoir cette partie en bas, ben, votre cartomiseur ne bougera pas, ne bougera jamais. Donc vous pouvez tirer comme un malade dessus. On va lui remettre son tube, son joli tube. Vous pouvez lui tirer dessus le drip tip comme vous voulez. Il bougera jamais. Hein? Il bougera pas de l'intérieur. Enfin, ça ne bougera pas. Votre carto va pas s'en aller. Vous voyez, vous pouvez tirer. Votre carto s'en ira pas. Et vous aurez jamais de fuite. Donc ça, c'est un point positif. Autre point positif, il a une petite vis que vous voyez de remplissage. Voilà. Il a une petite vis de remplissage qui vous permet de remplir avec une bouteille à aiguille. Dans le cas où vous n'avez pas votre bouteille à aiguille, vous pouvez quand même le remplir simplement, tout simplement, en dévissant le haut. Si vous utilisez le remplissage de cette manière, de cette manière, de cette manière, vous remplissez, vous le gardez bien droit, bien sûr, vous refermez, mais surtout, n'oubliez pas d'enlever la vis, la petite vis. Parce qu'il va falloir, et vous ne mettez pas le doigt dessus quand vous le remontez, quand vous le revissez, enfin, je ne sais pas, vous ne démerdez pas à mettre le doigt dessus, vous laissez, parce qu'il va falloir que l'air qui est à l'intérieur, qui va être comprimé, puisse sortir quelque part. Si vous avez conservé la petite vis, ben, l'air qui est à l'intérieur, et ben, il va pousser le liquide dans les trous du carto. Si votre carto n'est pas activé, c'est la première fois que vous en servez, il n'y aura pas de mal. Si vous en êtes déjà servi de votre carto et qu'il est déjà plein, comme c'est le cas de celui-ci d'ailleurs, et bien alors là, de suite, c'est glouglou. C'est glouglou. Voilà, c'est-à-dire que vous allez le noyer, le carto, et vous allez démonter, souffler, machin, enfin tout le bazar. Voilà. Donc, moi, je suis sur ce tank. Vous voyez, je ne vais pas faire très long parce que je suis mitigé. Ah, de plus, oui, je vous dis une chose. N'ayez pas de carto avec une jupe. Vous pouvez pas. C'est clair et net. Vous pouvez pas le mettre à l'intérieur. Vous pouvez pas le mettre. Il y a des gens qui se demandaient si on pouvait mettre un diver. Un diver, si vous savez pas ce que c'est, un diver, c'est un cartomiseur. Mais reconstructible. Voilà, je vous fais voir vite fait. Oh, il est dégueulasse. Bon, bref. C'est pareil, le diver avec cette petite jupe qu'il a, il passe pas dedans. Vous ne pouvez pas mettre non plus de diver. Est-ce que je vous le recommande? Non. Non, franchement, moi, autant il y a plusieurs personnes qui le recommandent, moi je vous le recommande pas. Je ne vous le recommande pas. De plus, les joints intérieurs, je les trouve très faibles. Vraiment très très faibles. Quand vous voyez, je démonte. Pourquoi il veut pas? À chaque fois, il accroche là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, il n'y a pas de fuite. J'ai jamais eu de fuite avec. Mais si vous regardez, si vous voyez comme il bouge. Et c'est le joint qui normalement doit le maintenir. Moi, je trouve qu'il bouge énormément. Le joint est très souple à l'intérieur. Je pense que rapidement, il y aura des. Il y aura des, enfin, rapidement. Je ne sais pas dans le temps ce que ça donnera. Il y aura des fuites. Ça, votre tube, ne le fi faites attention quand vous le vissez. Ne le vissez pas, bien sûr.
de biais. Parce que si vous abîmez votre pas de vis, après, ben vous serez embêté. Je sais que moi, voilà, si on... Non, là ça va. Mais faut pas le visser de biais. Moi, ça me... Voilà, pour résumer, le fait d'avoir les trous du carto très haut et de ne pas pouvoir aller jusqu'en bas, ça me gêne. Le fait d'avoir trois diamètres différents sur mon tank, pas forcément gracieux, moi je trouve. Ça me gêne. Le fait, alors là, d'avoir un gap, donc d'avoir un écart entre mon mode et mon tank, ça me gêne énormément, pas que point de vue look, mais aussi point de vue risque d'abîmer ma connectique. Le fait du poids, ça me gêne. Et le fait de sa longueur maxi, parce que là, c'est vraiment très très long. Voilà, alors ouais, je prenais un 35 mm à côté, regardez la différence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo quand même. C'est voilà, il fait comme un 45. Ça me gêne aussi. Moi, je vous le conseille pas. Même s'il est facile d'utilisation, même s'il n'y a pas besoin de carto tank filler, même si voilà, le remplissage par contre est facile, même s'il y a ce système pour éviter que le carto s'en aille derrière, même s'il a un bon airflow, j'en ai pas parlé, mais du coup en ayant l'airflow ici, ça va faire un bon airflow, sauf que bon, vu la distance que vous avez entre le mode et le bas du tank, ben oui, de toute façon, vous auriez eu le bon airflow. Hein. Donc voilà, je suis pas séduit personnellement. Alors après, c'est mon avis. Ouh là, j'ai tapé, ça a dû vous faire un boom dans les oreilles. C'est mon avis personnel, encore une fois, hein, bien sûr. Moi, je vous le conseille pas. Voilà, je vous dis. Acheter d'autres tanks. À la rigueur, on a vu un X8 qui est moins cher et qui pour moi est mieux. Voilà, ou le Global Tank pour Vary, on va les refaire tout au fait, qui est mieux que ce AGR V2. C'est mon avis. Écoutez, je vous dis à très bientôt. On verra d'autres tanks, mais là cette fois-ci, pour pas dire de bêtises, on va passer chez les Grecs. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.